T'as pris ta flûte? Oui, c'est là. T'as pris l'accordeur de l'harpe, tu l'as pris du coup? À Bordeaux, un vendredi soir, c'est l'heure du départ pour Jean-Baptiste et deux de ses filles. Bon, qu'est-ce qu'on oublie? Rien. Avec Joséphine et Louise, il va retrouver sa femme et ses autres enfants pour une semaine dans leur maison de campagne. Je suis à mon tour en vacances et je la rejoins avec deux de mes filles qui sont étudiantes à Bordeaux. Voilà. Dans le coffre de la deuxième voiture de la famille, tout doit être rangé au millimètre. Ça va pas fermer, Louis. Et pour cause, ils sont 12, les parents et leurs 10 enfants. On emporte un peu tout, oui. Et donc des gros plats comme ça, c'est quand même précieux. Et on n'en a pas. On a toujours besoin quand on est nombreux. Donc, Le sens de l'organisation, c'est sa seconde nature. Jean-Baptiste est colonel dans l'armée française. Ça rentre ? Ça va rentrer, ça rentre toujours. Et il n'apprécie guère qu'on lui résiste. Voilà. Qu'est-ce qui bloque ? Avec lui, c'est toujours la fermeté qui paye. Voilà. Il faut 4 heures de route pour rejoindre le village d'Assey-les-Jumeaux près de Poitiers. C'est là qu'Elisabeth, son épouse, les attend. Femme au foyer, elle est partie quelques jours plus tôt avec les petits. C'est très très fatigant. Voilà, c'est fini, on va faire un petit dodo maintenant. Mais ce soir, impossible de les coucher. Pas de dodo, j'aime pas le dodo. Tu n'aimes pas les dodos? Les motivations sont pas grandes là. Non, pas très. Ils sont endormis depuis longtemps quand Jean-Baptiste arrive avec les deux aînés. Le couple s'est quitté il y a une semaine. Coucou. Bonjour mon amour. Mais c'est comme s'ils s'étaient séparés depuis des mois. Ça va ? Pour le moment, les petits sont au lit. Et il manque encore deux grandes filles étudiantes qui arriveront plus tard. Bon, même pas de bisous. Demain, ils seront presque au complet. C'est toujours le bonheur d'accueillir tout le monde pour les vacances, donc voilà. Le bonheur des vacances, mais avec gestion de l'intendance et gros travaux en perspective. Tout le monde devra se retrousser les manches. 10 enfants élevés dans le respect des traditions catholiques. Du plus petit au plus grand, voici Théophane, 2 ans. Montfort, 4 ans. Amici, 7 ans. Et puis Félicité, 11 ans. Léonie, 14. Joséphine et Louise, 17 et 19 ans. Et enfin Mathilde, la plus grande, à 22 ans. Alix et Marie-Astrid sont toutes les deux étudiantes à Paris. Tous viennent passer une semaine hors du temps, dans cette maison pas comme les autres. Tu récupères pas des petits trucs si tu vas là. Ici, pas d'ordinateur ni de jeux vidéo, seulement des loisirs qui traversent les âges. Avec bataille navale. Je perds, je n'ai plus qu'un bateau. Enluminure, une technique de peinture médiévale et musique de chambre. Cette ambiance d'autrefois, ce clan hors du commun, tient à la préserver. Famille nombreuse rime avec famille heureuse. C'est la conviction des Tollets. C'est aussi le choix de 2 millions de foyers en France composés d'au moins 3 enfants. Pendant plusieurs semaines, nous avons vécu avec des tribus spectaculaires pour lesquelles le bonheur grandit avec le nombre d'enfants. Mais ces 3 couples ont une façon bien différente de relever le défi. Pour Elisabeth et Jean-Baptiste Tollet, la famille nombreuse est d'abord une tradition. Moi, j'ai toujours été entourée de tas de petits frères et sœurs, de joie, de cris, de mouvements, etc. C'est une évidence pour nous, puis on s'est même pas posé la question. Pour élever leurs 7 enfants, les Blancpain ont radicalement changé de vie. Ce couple venu de Belgique s'est installé récemment dans le sud de la France. Il a fait le pari du retour à la terre. La nature me ressource et les enfants, ça les reconnecte aussi. C'est bénéfique pour tout le monde. Avec des revenus modestes, Marina et Frédéric retapent leur maison comme ils peuvent, jour après jour. Et tout le monde met la main à la pâte. Qu'est-ce qu'il reste à faire après? Tout le long, derrière. On va faire tout le long. Ouais. Entre bons plans écolo et école à la maison, cette famille atypique nous fait partager son quotidien.
La famille nombreuse peut être aussi un défi pour la vie. Clotilde et Nicolas Noël, déjà parents heureux de 6 enfants, ont bouleversé leur existence en adoptant 2 petites filles différentes. Qui a un handicap énorme et en fait énormément de complicité et d'échange. On en oublie sa différence. C'est parti ! Ils se sont donné pour mission d'accueillir ces 2 petites handicapées et de leur offrir tout l'amour dont elles avaient besoin. Ça va ? Loin de perturber l'harmonie du foyer, cette adoption a contribué à souder la fratrie des grands. Immersion au cœur de 3 familles très nombreuses. Il est 8h ce matin, dans le camp du colonel Jean-Baptiste. Et même s'il n'y a pas de coup de clairon pour réveiller le premier dortoir à 6 lits, celui des ados, ici la règle d'or est de se lever tôt. Et ça s'apprend dès l'enfance. Aujourd'hui, c'est la mission de Théophane. Non, c'est pas drôle. Ça arrive souvent que les petits viennent les réveiller, sauter dessus, etc. Un réveil en douceur, quoi. Et surtout pour préparer le petit déjeuner. À chacun son poste. Celui des grandes ados est en cuisine. C'est toujours comme ça, Théo, vous réveille tous les matins? Oui, pour nous demander de lui faire son biberon. C'est à vous de lui faire? Souvent, oui. Maman restait dans son lit. Au fourneau, c'est Marie-Astrid, 21 ans, qui prend les commandes. Zad, est-ce que tu veux du pain? Est-ce que tu veux une tartine? Attends, je vais faire prier. Mais pas de grand-messe pour ce début de matinée. Chacun est prié de se nourrir sur le pouce, sur un coin de table, en ordre dispersé, et le plus vite possible. Allez, on va aller s'habiller. Me suis. Question de timing. Car à l'étage, il n'y a qu'une seule salle de bain pour 12. Un lieu stratégique, souvent monopolisé par les filles. Oh, je te coiffe? Non, c'est mort. Interdit de s'éterniser. Je voulais juste laver mon corps, là, 2 secondes. Ça bouchonne un peu? Ça bouchonne régulièrement, oui. Oui. Le matin, c'est le chef de famille qui gère les troupes. Bon, ça, on verra plus tard. Allez, t'avais un peu la tronche, quand même. Il s'est maté les plus récalcitrants. Ah oui, il faut quand même le faire. Voilà, ça y est, c'est bon. C'est fini. Voilà. Voilà, c'est fini. L'objectif, c'est qu'à midi pile, tout le monde soit prêt pour le rituel du premier repas. Dans la foi et la bonne humeur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Béni Seigneur, la table si bien parée, nourrissez aussi nos âmes si affamées. Dans ce clan soudé par la foi catholique, les enfants partagent les valeurs des parents depuis toujours. Quand on a acheté cette maison, j'avais 2 ans. Donc pour moi c'est beaucoup de souvenirs d'enfance, des vacances avec les cousins, avec les oncles et tantes et beaucoup de soirées jeux, d'ambiance familiale, voilà, beaucoup de choses. Tiens papa, tu vas donner à papa, j'apporte un couteau. Cette table qui les a vus grandir est devenue trop petite au fur et à mesure que la famille s'est agrandie. Pas facile de s'y caser à 12. Pas question en revanche de prendre la place du père. Pourtant, en bout de table, il a un concurrent sérieux. Théophane, bien décidé à se faire remarquer. Jeter sa nourriture par terre d'abord, puis ses couverts. Avec du bruit, c'est mieux. Théo, tu arrêtes. Oui, non, mais là, il le fait exprès. C'est au colonel de faire un rappel à l'ordre. Ça suffit. Théophane ? Non. Pas besoin de longs discours. Il te teste, là.
Tu veux descendre ? Ça marche. Hein. Ça marche. Et voilà. Pour Jean-Baptiste, qui travaille dans un service interarmé, l'autorité est une seconde nature. Papa, ma... Disons que Marine ne se fâche pas très souvent, mais quand il se fâche, tout le monde rentre dans le rang. Non, c'est pour vous aider. Non, ça dépend des jours. Maman, je me fâche souvent. Moi, je me fâche souvent parce que... Mais ça va en effet pas. Et sans efficacité. Mais aujourd'hui, personne ne se mettra en colère. Au contraire, la musique va adoucir la légère tension provoquée par le Benjamin. D'ailleurs, c'est toujours en chantant que les repas se terminent. Du matin au soir, les voix des filles rythment les corvées ménagères. C'est vrai, ça vient naturellement. C'est vrai que quand on débarrasse, on se met tout ensemble et on se met tout à chanter. C'est... Bah, ça détend, c'est beau, c'est... Et puis on chante tout ensemble. Donc, une famille, c'est pas mal. Ouais. Dans une heure, les choses sérieuses vont commencer. La section familiale sera convoquée pour participer aux grands travaux. Dans le Lot, avoir une famille nombreuse a poussé les Blancpains à un changement de vie radical. On va mettre tous tes petits trésors dans ton panier. Chouette. Marina et Frédéric ont quitté leur Belgique natale il y a 7 ans. Trop heureux de fuir la banlieue de Bruxelles. Pour eux, les enfants doivent grandir à la campagne. Et ça permet de passer un joli moment vraiment en famille. Donc on est au calme, dans la nature, ça fait du bien. La nature me ressource et les enfants, bah, ça les reconnecte aussi. C'est bénéfique pour tout le monde. Un vrai retour à la terre pour nourrir 7 enfants, au gré des 4 saisons, au pied des collines de Fraissinet, près de Cahors. Luna Violette, 4 ans. Lily Rose, 6 ans. Joa Luca, 8. Léopold, 10 ans. Léa Kenza, 12. Et enfin Pierre Lillet, l'aîné, 13 ans. Sans oublier Émilien, 3 mois, dans les bras de sa mère qui complète le tableau de cette tribu très à la cool. Aujourd'hui, ils vivent au plus près de la nature, sans perdre une occasion d'emmener les enfants à la découverte des trésors cachés, au bord des chemins, près de chez eux. Qu'est-ce que t'as trouvé, Lily ? À manger. Lily Rose connaît déjà les fleurs comestibles. Des fleurs de trèfle, ça se mange. Des fois, je fais des soupes de ça. La nature est un très bon fournisseur. Hein. On n'a pas toujours besoin d'aller loin, de dépenser pour se fournir en nourriture. Et on peut cueillir de tout. On peut cueillir des pommes pour faire de la compote. On peut cueillir des herbes pour faire des tisanes. Donc, et c'est bien pratique, surtout quand les fins de mois sont parfois un petit peu justes. Ce jour-là, c'est la cueillette miraculeuse, d'une espèce à la taille généreuse. Des russules charbonnières. Tu peux voir ? Lily, je mets mes champignons un peu sur le tien, comme ça personne les vole. C'est une sorte de gros cèpe comestible au goût de noisette. On sait pas, peut-être qu'il est mangeable. Papa a dit. C'est pour vivre dans cette simplicité que Marina et Frédéric se sont installés à Fraissinet, au cœur du village. Dans cette maison acquise pour une bouchée de pain, 38 000 euros. C'était l'ancienne épicerie du bourg. C'est devenu leur cour des miracles. Alors, on a eu un coup de cœur pour cette maison il y a 5 ans. Donc, on est vraiment en train de la réaménager parce qu'au départ, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que 4 murs et un toit. Il n'y avait pas de cuisine, pas de salle de bain, pas d'eau, pas d'électricité. Donc là, on est au niveau de la cuisine. La maison du bonheur est encore un capharnaüm en forme de labyrinthe sur 110 mètres carrés. Alors ici, on est dans l'espace des enfants, donc ils ont chacun leur petit coin, les chambres d'enfants. Je ne suis pas une fan du désordre, mais bon, pour le moment, toutes les pièces de la maison ne sont pas terminées, donc on n'a pas le rangement qu'il nous faut. Aujourd'hui, les 9 membres de la famille vivent entassés dans 3 chambres, mais d'autres recoins restent à aménager.
comme cette pièce réservée à l'ancienne fabrique de pain de l'épicerie. Ici, c'est le futur salon salle à manger et le four à pain. J'ai vraiment hâte que ces travaux se terminent. On a envie de vivre pleinement en famille, de profiter de cette maison, d'avoir des souvenirs dans cette maison. Ils se sont donné plusieurs années pour transformer leur cocon écolo. C'est Frédéric, le père, qui rénove tout lui-même, avec un budget serré de 2600 euros par mois, comprenant allocation familiale et petits travaux chez des voisins. Mais ce qu'il préfère, c'est être en cuisine. Son premier métier. On va découper la citrouille pour faire la soupe de ce soir. Je suis cuisinier à la base, donc voilà, c'est moi qui cuisine pour toute la famille. J'ai déjà toutes les quantités en tête, donc l'habitude de cuisiner pour du nombre. Et puis bon, c'est la continuité. Depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'avais envie de faire la cuisine. Donc en voyant mon papa cuisiner tous les dimanches, ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier-là. Depuis plusieurs années, des problèmes de santé chroniques l'empêchent aujourd'hui d'exercer sa passion. Mais avec 9 convives à la maison, c'est déjà un petit restaurant à faire tourner. Avec son fidèle commis, Luna Violette. Au menu aujourd'hui, soupe de potiron. Moi, je veux rajouter. Rajouter l'eau ? Oui. On va rajouter l'eau. Que du fait maison, car dans cette tribu, la préoccupation écologique est permanente. Pendant que le repas se prépare en cuisine... Attention les filles, j'amène l'eau chaude. Marina montre aux filles comment elle fabrique ses détergents ménagers. Et tout le monde doit se retrousser les manches. Et voilà. C'est ce que tu utilises pour nettoyer la cage de ton hamster. C'est ce que j'utilise pour nettoyer la poubelle des couches lavables ou quand j'ai besoin de désinfecter. Regarde. Petit cours de chimie pour tous, avec des produits de base tout simples, 100% naturels. Donc ici, c'est principalement constitué d'eau. Et puis, on va rajouter un peu de bicarbonate de soude, un peu de vinaigre, un peu d'huiles essentielles. Et le tour est joué. C'est surtout très économique. Moins de 50 centimes le litre, 3 fois moins cher qu'un produit d'entretien trouvé en grande surface. Ça sent bon, mais ça fait partie de notre philosophie. Donc au moins, on sait ce qu'il y a dedans. Hein. On sait qu'il n'y a pas de produits nocifs pour l'environnement, ni pour notre corps humain d'ailleurs. Mais pas comestible pour autant. Maman, est-ce qu'on peut manger ça ? Non, non. Oh, c'est pas très bon comme ça, tu sais. Moi aussi, je vais essayer. 20 minutes plus tard, ce désinfectant multi-usage est prêt. Et la soupe de potiron est bientôt cuite. Mais Emilia est encore trop jeune pour la déguster. Il se contente de regarder ses aînés. Se régaler. À l'autre bout de la France, à Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines, il est 6h30 chez les Noël. Clotilde, la maman, est déjà en cuisine. Mais pas pour le petit déjeuner. Alors là, je fais les lasagnes pour qu'ils les aient dans une demi-heure pour leur box, parce qu'il y en a 4 qui mangent avec des paniers repas. Par contre, je ne pourrais pas cuisiner de la viande, un rôti ou un truc comme ça le matin, ou découper un lapin ou un truc comme ça. C'est à elle d'assurer tous les jours les repas de midi des enfants. Leur école et leur collège n'ont pas de cantine. Clotilde est la superintendante de 8 enfants. Tous partent dans moins d'une heure à l'école. Baudouin ? Tu te lèves, chat ? C'est pas l'heure ? Quelle heure ? Il est 7h. Et tu te rendors pas, chat ? Baudouin, 15 ans, est le plus dur à réveiller. Côme, 17 ans, sort déjà de la douche. En bas, encore ensommeillé. Voici Brune, 6 ans. Tu aurais bien dormi plus. Hein. Déjà prêt pour le petit déjeuner, voici Philippine, 9 ans. Marin, 13 ans. Et Tiphaine, 14. 6 enfants nés de son union avec Nicolas, son mari, déjà parti au travail. Et puis il y a les 2 petites dernières qu'ils ont adoptées. Voici Marie, 5 ans, atteinte de trisomie 21. Ah, ça y est, ça va. Elle est arrivée dans cette famille formidable peu après sa naissance. Là, elle est où, Brune ? Déjà réveillée sur le tapis, Marie Garance, adoptée il y a 1 an. Cette fillette de 2 ans, polyhandicapée,
ne peut pas se déplacer seul. Qu'est-ce que tu nous as fait ? Coucou ! Manuel voulait rigoler et jouer. À 7h30, c'est le départ des grands. Box déjeuner, sac à dos. Et surtout, ne pas oublier le petit bisou aux cadettes. Au revoir, Marie. Au revoir. Tu lui dis bon courage pour ton travail. Au revoir, à ce soir. C'est Clotilde qui emmène les petites à l'école. Faut pas qu'on soit retard. Le mardi, il y a beaucoup de monde. Oui. Quatre filles à préparer. Ah super, tu mets ton collant toute seule. Mais dans cette fratrie originale... La solidarité et l'entraide fonctionnent bien. Avec des aînés super fiers de leur nouvelle petite sœur. Attends, mets les boutons. Attends. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Philippe, d'avoir eu ces deux petites sœurs ? C'est trop génial. C'est trop mignon, Guy. T'es grand-mère mignonne ? 8 heures, top départ. L'école est à 45 minutes de route. Marie Garance est aussi du voyage. Elle ne va pas en classe, mais ne peut pas rester seule à la maison. Ce matin, Clotilde est en retard. On est toujours à la bourre, voilà, c'est toujours pareil tous les matins, mais c'est pas grave, ça met du charme. On se dit tous les soirs qu'on fera mieux le lendemain, et puis il y a toujours autre chose. Et comme toujours, tout le monde le prend avec le sourire et en musique. Mais l'ambiance change quand la voiture se retrouve coincée dans les embouteillages. Elle a commencé à l'énerver. Stop, arrêtez. Brûle tes pénifs ce matin. Allez, 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 avancez. Le stress d'arriver après la fermeture des portes de l'école. Vous êtes en retard ? Ouais. Vous êtes en retard. Aujourd'hui, les filles vont arriver avec 10 minutes de retard. T'es bon, ça ? Pas le temps de dire au revoir. Même pour Marie qui est en maternelle, dans le même établissement que ses sœurs. Quant à Marie Garance, elle reste avec sa maman toute la journée. 10 heures, retour à la maison. On fait du ballon ? On fait du ballon comme avec le kiné. Tous les jours, Clotilde s'occupe de la rééducation de sa petite dernière. Allez, on prend le ballon. Elle doit l'entraîner à tenir sa tête. Allez, allez, allez. Pendant 15 minutes, elle essaye de faire travailler tous les muscles qui manquent de tonicité en raison de son handicap. Tu lèves ta tête. Elle est crevée. Ben, ça lui muscle le dos et ça lui permet de muscler ses cervicales parce qu'en fait, elles sont toutes molles. Alors, elle ne les tiendra jamais, ça, on le sait. Mais quand même, il faut quand même un peu lui faire faire des exercices. En fait, ces enfants-là, ils sont très statiques. Donc, il faut d'eux-mêmes, ils ne vont pas bouger. Donc, c'est à nous de les stimuler. Clotilde n'a pas suivi de formation, mais elle fait les gestes que lui a enseigné la kiné de la famille. Oui, c'est moi. Marie Garance exige une attention de chaque instant, voilà, elle car elle souffre aussi d'insuffisance respiratoire. Le choix de Clotilde est admirable, mais il peut surprendre. Son projet d'adoption, c'est juste d'aider cette petite fille à grandir dans un cocon familial plein d'amour. Le fil rouge, on va dire, le désir, c'est d'aimer, c'est l'amour. C'est aussi simple que ça, on va dire, finalement. C'était d'aimer de nouveau et pourquoi pas aimer des petites filles, des enfants qui avaient besoin d'une famille. Pour moi, aujourd'hui, je considère que ma vie n'a pas du tout basculé, pas moins bien, ou j'ai pas un lot de frustration en me disant aujourd'hui je peux plus faire ça, avant je pouvais faire ça. J'ai l'impression d'avoir une vie très douce et. Et très libre, en fait. J'ai l'impression d'avoir une sacrée liberté. Et même si cela semble naturel pour cette maman d'avoir adopté deux petites filles différentes, la vie quotidienne de la famille a été profondément transformée par cet événement. Retour près de Poitiers,
dans la maison de campagne du clan dirigé par le colonel Jean-Baptiste. Les grands travaux de rénovation vont commencer. On va les bricoler. Tu vas peut-être tenter une bricolage, je crois. Déjà à la manœuvre. Allez, hop. Avec son armée de petits ouvriers. Premier ouvrier, oui. Il y a déjà le pinceau à la main, la mettre dans l'eau. Montfort est équipé pour faire de la peinture. Comme ça, on peut mettre le pinceau. Côté. Ah, oui. Ah, c'est chouette, ça. Super, ça. Voilà, et le maître, on met où? Ici? Ah, c'est idéal. Idéal. Vraiment une tenue de bricoleur. Et ça tombe bien, car il y a du boulot. Allez, on va aller voir ce qu'il y a à faire. Juste derrière cette porte, vers l'aile est. On va aller voir ce qu'il y a à faire, mais alors là, c'est le bazar ici. On est dans une partie que je retape petit à petit. Et là, je fais trois chambres. Donc, il y en a déjà deux qui sont faites, là et là. Papa, il voit et puis, on fait une troisième au fond. Voilà. Déjà 15 ans de rénovation dans cette maison. Au début, Jean-Baptiste a tout fait tout seul. Mais aujourd'hui, avec sa grande famille, il profite d'une main-d'œuvre captive. Tu sais t'en servir, toi? Et voilà. Il n'y a pas d'âge pour les braves. Tout le monde est enrôlé. Est-ce qu'il y a des filles pour m'aider à bricoler? Moi, je veux bien. Je vais me changer pour faire des travaux. Ah! Des volontaires, Léo, pour aller faire des travaux? Oui, parce que il faut bien des volontaires. Jean-Baptiste a élaboré son plan de bataille. Dans la nouvelle chambre, les filles, avec Léonie, feront l'électricité. Ça, c'est pour mettre la prise. La prise, elle va se mettre dedans. Oui, je sais. Et ça, je après sais. Ça. Oui. Voilà. Les garçons, la peinture sur le palier de l'aile est. Sous la surveillance de Marie-Astrid, c'est la Wonder Woman de la bricole, déjà responsable des précédents chantiers de peinture de l'aile ouest. La peinture aussi, dans ma chambre, dans la chambre d'Alix, enfin dans toutes les chambres là-bas. Ben oui. Jean-Baptiste dirige la pose de l'enduit. C'est parti pour une journée de labeur. Youhou, c'est trop bien. Je ne sais pas si ça les intéresse, mais en tout cas, elles le font. Deux heures plus tard, le colonel vient contrôler l'avancée de ses troupes. Vous faites du vrai bricolage? Waouh, ça c'est chouette. Ça vous convient? C'est bien, hein? C'est un bon début. Un bon début. Vous êtes rassurés, en tout cas. Ouais. Il y a de l'avenir, là. Il y a de la relève. L'indulgence du père qui a du temps devant lui. Jean-Baptiste ne s'est pas donné de calendrier de fin de travaux. Il ordonne la fin de mission. Place au jeu en cette fin de journée. Mais quand Elisabeth vient voir le chantier, parce qu'il y a la deuxième couche, là. Elle trouve que ça traîne un peu. Ça rend bien comme ça? Ouais, c'est bien. Ça vous va? Ouais, c'est mieux avec une deuxième couche. Non, par contre, la chambre... Attends, maman, je vais me... Ah, pas tellement avancé, la chambre. Ah bon? Ouais, t'as pas vu? Il faudrait quand même que tu donnes un petit coup de collier avant Noël, hein. Ouais, mais ça... Ou alors on reviendra des week-ends. Ce coup de collier, ils le mettent désormais à 12. C'est leur force, partager les tâches avec confiance et bonne humeur. Des principes transmis de génération en génération. Elisabeth et Jean-Baptiste sont eux aussi issus d'une grande fratrie. J'ai toujours été entourée de tas de petits frères et sœurs, de joie, de cris, de mouvements, etc. C'est une évidence pour nous. Ouais, on ne s'est même pas posé la question. C'est une évidence, ouais, c'est ça. Pour nous, une famille, c'est forcément une famille nombreuse. Mmh. Donc on ne le concevait pas autrement. Et puis les enfants sont arrivés rapidement. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, toujours là. C'est... Que des filles. Là, alors que des filles au départ, que des filles au départ, les huit premières quand même. Donc, 10 enfants élevés dans la foi. Allez, les filles, venez à prière. C'est le ciment de leur foyer. Et c'est ainsi qu'ils terminent chaque journée, unis pour remercier Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et chanter ses louanges. Et quand ma dernière...
mon sort. Obtenez que je meure de la plus sainte mort. Le lendemain matin dans le Lot, pas de branle-bas de combat pour la tribu écolo installée à la campagne. Toutes les journées commencent tranquillement. Léa, Kenza et les autres ne vont pas à l'école. Non, l'école c'est à la maison. La classe est juste en dessous des chambres. La maîtresse, c'est maman. Léopold, Jean-Luca, on va faire vos cahiers. Marina a choisi ce type d'éducation pour ses 7 enfants, tous réunis autour de la table de salle à manger. Ça, ce, si, so, su. De Pierre Lillet, 13 ans, et ses cours d'orthographe, à Luna Violette et ses pâtes à modeler de grande famille d'escargots. Mini petite sœur, mini petit frère et mini petite fille. Et donc, c'est une famille nombreuse. Marina leur fait l'école à la maison, mais elle n'a pourtant aucune formation. Ce n'est pas obligatoire pour l'éducation à domicile donnée par les parents. Maman, oui, attends, ça s'écrit avec deux T. Oui. C'est A-T-E-M-D-S. C'est ça. Au moins une fois par an, les services de l'État viennent constater les progrès des enfants et leur niveau de connaissance. Tout au long de l'année, Marina les accompagne sur la voie de l'instruction. On ne me considère pas comme une maîtresse, donc on n'a pas le statut d'enseignant de celui qui possède tout le savoir, mais on est plutôt là comme un guide. Donc c'est-à-dire que l'enfant va venir vers nous avec son questionnement, on sera apte ou pas à y répondre. Si on ne peut pas répondre à ses questions, on va le rediriger vers une tierce personne, vers des documents, que ce soit des livres, vers Internet. Donc c'est vraiment la place de guide, de celui qui est là pour accompagner l'enfant. Cette famille n'a pas eu à justifier sa décision auprès de l'Éducation nationale, car c'est une question de philosophie. Et l'école sans contrainte, évidemment, ça plaît aux enfants. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on peut faire quand on en a envie, qu'on n'est pas forcé de faire. Quand j'ai envie, je sors mon cahier, même que ce soit dans ma chambre, à toute heure de la journée. Et alors, on évolue comme ça, notre rythme. L'enfant apprend parce qu'il a vraiment envie d'apprendre. Il n'apprend pas par cœur pour recracher quelque chose qu'il va oublier complètement après, mais il apprend vraiment parce qu'il a envie d'apprendre, parce que c'est le moment, parce que... Donc c'est beau, c'est comme si vous alliez dans une jardinerie, mais jamais vous ne verrez un ouvrier forcer les roses et les pousser à s'ouvrir tout en même temps. Donc ici, vraiment, tout part de l'enfant. Ici, ce sont souvent les enfants qui décident. Pas plus d'une heure et demie de cours. À midi, c'est la délivrance. La récré sur la place du village. C'est l'heure de la bataille avec les petits voisins qui viennent de sortir de l'école. Les armes sont évidemment faites maison, mais tout est pour de faux. À Fraissinet, il n'y a pas de guerre des boutons. Bon, y a souvent un gros a priori qui dit sans école, point de sociabilisation, point de socialisation. Ben non, c'est faux. Les enfants sont amenés à côtoyer des gens de tout âge, de toute génération, aussi bien les petits-enfants que des adultes, que des personnes âgées. Et là, bon, c'est très agréable de voir cette vie animée dans le village, de voir tout ce petit groupe d'enfants qui voyagent. Si l'on en croit Marina, sa famille nombreuse au mode de vie un peu marginal s'est bien intégrée dans le village. Vite, vite, on va à l'abri. Ce soir, elle invite leurs voisins les plus proches à une fête des Lumières qu'elle a imaginée. En attendant, les enfants vont continuer de rêver de leur vie future dans leur cabane. Il n'y aura pas école cet après-midi. À Verneuil-sur-Seine ce dimanche matin, l'heure est à la détente dans la famille qui a pris sous son aile deux petites filles handicapées. Les oiseaux ? Les oiseaux ? Vous venez aider à faire le pique-nique et on y va. Clotilde et Nicolas s'apprêtent à partir pour la journée dans une ferme cueillette. Avec 8 enfants, dont 2 petites princesses plutôt dépendantes, pas de place à l'improvisation. Oui, parce qu'après on les recoupe, c'est la technique. C'est toujours plus facile de tartiner en long. On a plein de petites astuces qui nous facilitent la vie et qui permettent qu'on ait du temps pour faire autre chose. Les sandwichs sont faits à la chaîne. Chacun a son rôle en cuisine.
C'est une organisation militaire. Ben nous, ça nous paraît simple, on se rend pas compte, parce que c'est notre quotidien. Leur quotidien, c'est aussi de ne rien s'interdire et surtout pas des sorties en plein air, malgré le handicap de Marie Garance. Mais ça exige une intendance hors pair. Là, c'est la nourriture particulière de Marie Garance. Il ne faut pas oublier un morceau, mais bon, maintenant, on commence à avoir l'habitude. Pour nourrir Marie Garance, il faut du lait très concentré. Et comme elle a parfois des crises d'épilepsie, mieux vaut emporter le matériel nécessaire en cas de détresse respiratoire. Ça, ça permet de la moucher parce que si elle commence à être encombrée, elle peut partir en crise. Après, c'est pas... En soi, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de faire des choses. Enfin, tout le monde a l'air prêt à partir. Allez, go! Vous descendez, mes petits cœurs, on y va, là! Vous apportez des jeux pour le bus? Le bus, c'est l'affaire de Nicolas. Je ramène le pique-nique. Il a acheté l'hiver dernier cette camionnette de 3 tonnes, rallongée et transformée. Et pour conduire ce nouveau carrosse, il a dû passer en express un permis spécial. Alors que j'ai passé ce permis de transport en commun, ça m'a pris un mois pour le passer, parce que c'est une formation professionnelle, donc c'était un peu compliqué à jongler avec mon boulot et la formation. Enfin, j'ai réussi à le faire et donc maintenant, ça me permet de transporter 17 personnes. Et du coup, ça permet d'être confortable. Et comme on va faire là cette petite expédition ensemble. Il aura fallu une heure de préparation pour cette balade du dimanche. Vous avez tout ? Ouais, je pense. Il manquera toujours un truc, mais c'est pas grave. Normalement, c'est bon. La règle pour ces chargements, c'est dès qu'il y en a un de prêt, de le charger. Faute de quoi, c'est infini comme temps. C'est infini, ça se termine jamais. Désormais, la seule inconnue du pique-nique... On y va ? Reste la météo. Une demi-heure de route. Tu chantes, Marie ? Et ces petits franciliens redécouvrent la terre, le temps d'une balade dans les champs. Aujourd'hui, ils viennent ramasser les plus beaux légumes pour leur repas du soir. On va, les loups, vous voulez ramasser quoi, Tom ? Le chou, on peut le laisser tomber. Mais c'est surtout l'occasion de s'amuser tous ensemble. C'est parti ! Avec les deux petites, qui ont une place privilégiée dans la famille. T'aimes bien t'occuper d'elle ? Oui, elle est trop mignonne. Elle sourit. Elles se battent un peu pour garder Marie, de la porter. Elles se battent un peu. Oui, c'est pour ça qu'elles ont demandé qu'on adopte une autre petite fille. Ah, c'est elles qui l'ont demandé ? C'est toute la famille qui ont demandé qu'on continue à adopter. Ils avaient dit, on se bat tellement Marie qu'on veut chacun notre mari. C'est comme ça qu'est arrivée la petite dernière. Mais le couple n'aurait jamais imaginé que l'adoption de Marie et Marie Garance devienne un atout pour faire grandir leurs ados. Et les poireaux, il faut prendre des petits, hein. C'est les petits qu'il faut prendre, quoi. Vas-y, maintenant, fais-le basculer. Voilà. On a un poireau et on a un deuxième aussi. Il est jaune ou il est orange ? Ben là, il est jaune et là, il est fatigué aussi. Hein. Je pense que des enfants comme ça, ils n'ont jamais vu... Ils regardent pas des carottes autrement que dans des barquettes dans des supermarchés. Hein. Donc ça leur permet de voir un petit peu comment ça pousse. C'est bien. Aujourd'hui, pas de carottes, mais des dizaines de poivrons et des poireaux qui seront payés au poids à la sortie. Apprécier les choses simples, ça fait partie de leur éducation. Grâce au choix courageux des parents, tous les membres de la famille sont désormais plus à l'écoute les uns des autres. Là, par exemple, on part à la ferme, on va ramasser des légumes, il n'y en a pas un qui râle en disant que c'est nul, il préfère aller au cinéma avec des potes. Ça, c'est chouette. Et je trouve qu'ils sont plus... Forcément, ça les a mis plus les pieds sur la terre et de réaliser que le bonheur passait pas non plus dans les marques de t-shirts ou dans les... Je trouve qu'ils sont bien attachés à la famille et très attendris, en fait, par leur petite sœur. Je pense que ça les ramène à l'essentiel, je pense. Le soleil n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, mais tout le monde fait honneur au pique-nique composé de chips et de sandwichs au saucisson. Merci, maman. Merci, maman.
À l'autre bout de la table, Marie Garance préside dans sa poussette. Son repas n'est pas comme les autres. Son handicap l'empêche de se nourrir normalement. Bah, Marie Garance, elle mange par gastrostomie essentiellement. Donc là, elle va prendre deux seringues de lait spécial surgras. C'est par cette seringue, directement injectée dans l'estomac, que Marie Garance prend son lait concentré. Voilà. L'opération paraît délicate, mais personne n'y prête attention. Parents et enfants ont l'habitude de ce rituel médical. Le week-end prochain sera beaucoup moins banal, car Nicolas va se retrouver seul avec les enfants. Près de Poitiers. Mais lâche-moi ! J'en ai pris un ! Mais c'est pas tes gâteaux, Théophane ne peut plus en prendre après. Dans le clan des maîtres de la tradition, les chips sont un sujet sensible et la guerre vient d'être déclarée. Regarde tout ce que tu as encore à manger là, c'est bon. Jean-Baptiste doit intervenir en urgence. C'est pas grave, c'est pas grave. Et t'as raison, on est voyés, hein. On va surveiller l'apéro, hein. Eh oui, de tous les côtés. Mais dès que le chef de famille a le dos tourné, Montfort et Félicité déterrent l'âge de guerre. Vite rejoint par de nouveaux combattants. Théophane et Amici partent à leur tour à la conquête des chips. C'est maintenant Léonie, 14 ans, qui intervient. Tu remets sur la table. L'aide de camp du colonel doit mettre fin au conflit. Tu remets sur la table. C'est elle qui procède au partage du butin. Là, j'allais en prendre. J'allais en poignée. C'est pas tout pour toi. Et là, c'est pas le milieu. Je le laisse là. J'en ai pris une poignée là. Malgré cette échauffourée, le calme revient dans le foyer. Dans le salon d'à côté, les grands font régner l'harmonie. Louise et Joséphine se produisent en duo. Et la musique de chambre apaise les petits rebelles. Très très agréable de jouer ensemble, surtout que maintenant, ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait de la musique. Maintenant, on a appris à vraiment s'amuser et à se faire plaisir en jouant, et du coup, faire partager ce plaisir à toute la famille, à ceux qui nous entourent. Je suis très contente, très fière. C'est vrai que c'est du travail les premières années, parce que c'est un peu ardu au début, et donc c'est beaucoup de boulot de la maman qui dit « tu n'as pas fait ta musique, tu n'as pas fait ta demi-heure de harpe ou ta demi-heure de solfège et tout ». Et en fait, au bout de 2-3 ans, c'est le bonheur. Voilà. Cette recette du bonheur se transmet de mère en fille à travers cette harpe, un héritage familial. Elisabeth voudrait partager ce moment magique avec l'aînée de la famille. Je vais appeler Mathilde qui est à Madrid et qui est toute seule. Voilà. Mathilde fait des études d'histoire de l'art en Espagne. Je clique sur Skype et ça ne marche pas. Mais la mère de famille ne maîtrise pas les nouvelles technologies. Bah, j'ai fait un double clic. Ah, ça y est. Alors. Maintenant, il faut que tu te connectes. Tu vois, ça ne démarre pas, JB. Alors, son mari prend les choses en main. Avec l'ordinateur de secours. Et là, miracle. Là, tu me vois ? Tu nous entends, là ? Bon, alors, ça va ? Oui, ça va. C'est la première fois que Mathilde ne passe pas ses vacances en famille. Tu n'es pas trop déçue de ne pas être là ? Bah si, je suis déçue de ne pas avoir de vacances. Mais elle a emporté avec elle des photos de ses frères et sœurs. Elle est un peu vieille, là. Mathilde, la deuxième maman du clan, a quitté le nid. Montfort a du mal à le comprendre. Tu reviens quand ? Elle te manque, Mathilde.
Mais ce n'est pas une petite séparation qui va ébranler cette grande famille. Même à distance, leur cohésion est évidente. Ils se rejoignent sur les grands principes, comme la solidarité. Bon courage pour vous exposer. Dans le Lot, c'est une journée importante pour la tribu écolo qui rêve de rénover sa maison du bonheur. Ce matin, Frédéric se rend dans ce magasin de bricolage pour acheter les matériaux nécessaires à son week-end de maçonnerie. Alors là, qu'est-ce que vous prenez ? Des sacs d'enduit. Et il a réservé du lourd. 3 sacs d'enduit de 25 kilos. Bonne journée. Bonne journée. Cette pièce va être transformée en salle de séjour. Il reste encore plein de choses à faire, mais là on va attaquer le salon et la salle à manger. Donc quand la maison sera finie, ben, ce sera parfait. À peine rentrés, les ouvriers sont déjà prêts. Auprès de leurs parents, les petits ont appris l'autonomie. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Et là, on a mis du sable dedans pour faire le mortier. Leur défi, rénover l'ancienne réserve de l'épicerie pour la transformer en séjour. Un, mais deux de ça. À seulement 10 ans, Léopold est le chef du chantier. Je peux t'aider. Pour faire un seau, tu mets 10 seaux de sable, de la chaux. Il faut en mettre 5. Et après, ça c'est du ciment. On met peut-être un peu d'eau s'il est trop dur. Le père reste en retrait, mais il les surveille de près. Se débrouiller, savoir tout faire soi-même, la doctrine éducative des parents est mise à l'épreuve. Car la tâche paraît colossale. Consolider tous les bas des murs pour préparer l'isolation. Qu'est-ce qu'il reste à faire après ? Ben, tout le long, là, derrière. Tu vas faire tout le long ? Ouais. Comme c'est une vieille maison construite à ras de la roche, tout le fond du mur est en ressort de la pierre. Donc, quand on regarde, ça ressort de partout. Donc, on est un peu obligé de faire comme ça et pas en bois. Frédéric n'a pas l'air stressé. Il compte sur la motivation de son équipe. Après, une ruelle. Une ruelle. Attends, elle est cassée. Et je vais avoir une truelle. C'est le mortier. Et après, on va faire les joints, papa. On va pas faire les joints tout de suite. On va d'abord laisser sécher le mortier. Tout doit être terminé d'ici ce soir. Après, avec la plus petite, on le pousse. Car la famille reçoit des invités. On va ranger pour la fête des lanternes de ce soir. Qui vous allez accueillir ? Ben, les voisines, des amis. Il y aura plein d'enfants. Donc. Et il faut que tout soit propre. Il faut que tout soit propre. Cette fête des lanternes est à l'initiative de Marina, son épouse. Des petites lumières confectionnées à l'étage. Homemade, évidemment. C'est moi, je pense, celle-là, si personne l'utilise. Marina est attachée à cette tradition de sa Belgique natale, un rite qui favorise le rapprochement entre voisins à l'entrée de l'hiver. En ces jours, ou cette période où on se dirige vers les jours plus sombres et plus froids, c'est une fête de lumière et de partage. Donc, c'est-à-dire que nous, on va faire une petite balade aux lanternes dans le village. On va percer cette obscurité avec notre petite lanterne, mais aussi avec la lumière qu'on porte dans le cœur. Et puis, on va partager un repas tous ensemble avec quelques amis. Et le partage, ben, c'est le souvenir de Saint-Martin qui a partagé sa cape en deux moitiés pour en offrir une aux mendiants. En bas, le chantier progresse, mais est loin d'être terminé. Ça vous convient, Frédéric ? Oui, c'est parfait. Ça va sécher. Léopold, à son aise. Léopold a bien bossé ? Léopold a bien bossé. Pour être prêt, il va falloir mettre les bouchées doubles. Car à 18h, à la tombée du jour, les petites lanternes commencent à se regrouper à l'entrée du village. Et pour qui celle-là ? Là ? Marina entraîne dans son sillage une vingtaine d'enfants et de voisins. Cette charmante coutume commence à faire des adeptes. La nuit rallume dans le noir. C'est la première année qu'on y participe avec nos voisins. Et c'est vrai que ça renforce nos liens, même par rapport à mes filles. On a fabriqué les lanternes ensemble, ça leur apprend beaucoup de choses, ça leur apporte de la culture générale parce qu'elles ne connaissaient pas, c'est pas une tradition chez nous. Qu'elles sont super contentes et nous aussi.
Miracle, Frédéric a réussi son pari. Le salon est prêt et la soupe au potiron est chaude pour remercier les invités. Frédéric et Marina voulaient changer de vie pour élever leur tribu au plus proche de la nature. Mais ils craignaient d'avoir du mal à se faire accepter dans ce petit village du Lot. On commence à trouver notre place. On commence à prendre racine, à être bien implanté ici dans le Lot. Et on s'y plaît beaucoup. On a trouvé un endroit paisible, en pleine nature. Les enfants sont heureux, tout le monde s'est fait des amis, les grands comme les petits. Donc tout le monde est bien. Ce soir, Marina a promis à ses 7 enfants d'organiser chaque année une fête des Lumières. À Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines, Clotilde, la maman superintendante, s'apprête à vivre une journée 100% à elle, loin des enfants. Paume, tu n'oublieras pas que pour le dessert, il y a dans le frigo, je fais un gâteau. Je pars tout de suite. Mais avant le départ, un dernier baiser aux petites, Marie et Marie Garance. Elle ne quitte presque jamais sa grande famille. Alors elle donne les dernières consignes. Car Nicolas, son mari, va devoir tout gérer. Et oh, Marie. Je pense qu'il y a la chose avec ça, non ? On va lui enlever ça. Juste pousser les deux seins de... Après, oui. Il s'occupera seul des deux dernières, mais devra aussi accompagner les grands à leurs activités. Clotilde a écrit un livre sur leur expérience d'adoption d'enfants handicapés. Elle est invitée aujourd'hui à un salon du livre à Paris. Quand on est à table, on ne joue pas. Filou, quand on est à table, on ne joue pas. Nicolas va expérimenter la vie trépidante d'une mère de famille nombreuse. Ce cadre dirigeant d'une grande entreprise de BTP est prêt à relever le défi. Continuez, et vous êtes privé de dessert. Je trouve que c'est génial, et moi ça me fait plaisir parce que ça va être du temps passé avec les enfants que je n'ai pas en semaine. Donc ça permet d'inverser un peu les rôles, et c'est très bien. Brune, arrête. La journée s'annonce chargée, mais Nicolas est malin. En moins d'une heure, il va réussir à transporter la moitié des troupes loin de la maison. Premier trajet, oui. D'abord, accompagner les grands garçons. Numéro 1, Marin, pour une après-midi de sport entre copains. Tu peux aller sur le quai. Allez, vas-y, Marin, tu descends. Allez, salut Marin. Au revoir. T'as ton lacet défait. Numéro 2, Baudouin, pour un week-end de scout. Eh ben, bon camp. Merci. Et ce n'est pas fini. Il enchaîne avec les filles. Brune et Philippine, invitées à un anniversaire. Pendant ce temps, au Salon du Livre, parmi la centaine d'auteurs invités, Clotilde est la plus sollicitée, ravie de pouvoir partager son expérience et de combattre les préjugés. On avait entendu les spécialistes qui nous disaient « Vous avez cassé la cellule familiale, vous avez cassé votre couple. » Donc on écoutait parce qu'on a tout à apprendre. Et que nous, on arrivait dans un domaine qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas l'adoption et on ne connaissait pas le handicap. Et on a été impressionnés de voir qu'en fait, plus que démolir notre famille, c'était en train de la resserrer. En fait, ça a été hyper beau. Ils nous ont dit, mais en fait, on s'est rendu compte que grâce à Marie, en fait, ils avaient atteint une certaine liberté et une facilité à aller vers l'autre. En fait, ils disaient « Mais ça sera notre petite sœur. » Je vais la réveiller, hein. Je m'en fiche. Comme ses enfants, Clotilde s'est transformée. Elle n'hésite pas à aller bras tendus vers une jeune maman arrivant au salon avec sa petite fille trisomique. Je voulais te faire plein de bisous. Elle a appris à accueillir et à aimer la différence. Gamin. À la maison, Nicolas savoure cet amour partagé avec Marie Garance. Le soir, quand je rentre, c'est un pur moment de bonheur parce que, au bruit de la porte, elle entend mon arrivée. Et quand je me penche au-dessus de son lit, si elle est déjà couchée ou quand elle est encore dans le salon, elle me fait des sourires incroyables. Et ça, c'est absolument extraordinaire. On la sent heureuse et on peut échanger des choses avec elle, hein, qu'on peut échanger ensemble. Dans le bain aussi, elle aime beaucoup le bain. Et donc... En fait, on en oublie sa différence.
Tu vas faire une petite sieste avec papa ? Oui. On va se mettre de ce côté. Finalement, cette journée seule avec les enfants est un moment privilégié. Le calme règne dans la maison. Et c'est assez rare. Ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas de bruit. Il y a Marie Garange, Marie qui fait la sieste, papa et moi. Ça fait un grand vide, ça fait fille unique et ça n'arrive pas du tout souvent. Et quand on est tout seul, on n'a un peu rien à faire. Tiffaine, 14 ans, n'a pas l'habitude d'être seule. Ce jour-là, la petite sieste s'est prolongée longtemps. Et la nuit est tombée quand la famille s'est retrouvée réunie. Et Marie Garance ? Marie en a profité pour jouer en tête-à-tête avec son papa. Voilà. C'est bon pour le cardio. À toi. Tu fais la même chose, Marie ? Depuis la fin de notre tournage, Marie Garance a été hospitalisée en grande détresse respiratoire. Mais elle continue de se battre avec la force et l'amour de ses parents. Dans le Lot, les Blancpains voient leurs efforts aboutir. La famille écolo a réussi son pari, terminer elle-même le grand salon. Chez les Tollet, la vie s'écoule comme un long fleuve tranquille, rythmé par les cousinades. Le choix d'une famille nombreuse se transmet aussi en héritage.